J'espère que vous allez bien aujourd'hui, mes chers Méli-Mélo. Et oui, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, ça va être juste une simple vidéo de quelques minutes, pas plus de 5 minutes, je l'espère. J'espère que je vais pas trop parler. C'est les 3 ans d'anniversaire de ma chaîne YouTube, Ma Petite Mel. Et pour l'occasion, j'avais vraiment envie de faire une toute petite vidéo pour de 1. Vous remercier, mais également souffler mes bougies avec vous. Même si ça va par écran interposé. Vous le savez, je suis devenue récemment maman d'un petit garçon qui a eu 3 mois. L'année dernière, j'avais fait une FAQ, j'avais pris un petit peu du temps en avance pour vous demander si vous avez des questions via en DM Instagram ou l'onglet communauté ou sous la vidéo sur YouTube. Et la première année, je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Mais voilà, cette année, outre le fait qu'il y avait la radiothérapie de mon père avec son cancer, l'annonce de ma grossesse en décembre, plus... ma grossesse toute l'année qui n'a pas été évidente, j'ai pas eu une grossesse non plus facile mais pas non plus compliquée. Donc voilà, je n'ai pas pensé du tout à vous faire la demande à travers une vidéo ou l'onglet communauté ou même sur Instagram, ce que vous voulez pour ces 3 ans d'anniversaire sur ma chaîne. J'essaierai de me rattraper l'année prochaine, promis. Bah, n'hésitez pas à mettre sous cette vidéo en commentaire quelques idées de vidéos que vous voulez pour les 4 ans l'année prochaine de ma petite mail. Voilà, donc je voulais vraiment souffler ces bougies. Je voulais déjà vous remercier infiniment de me suivre à travers mes nombreuses réactions, pas que coréennes, même si c'est principalement. Je vous remercie également parce que grâce à vous, j'ai découvert un panel d'artistes vraiment génial, de tout genre, de tout style. Et c'est vrai que la musique est quelque chose qui est important dans ma vie, qui m'aide dans toutes sortes. Ça a vraiment été, même encore maintenant, c'est un ancrage pour m'aider dans toute chose, que ce soit dans des jours de bonheur, dans des jours de tristesse, etc. Donc voilà pourquoi aussi je fais une chaîne de réaction, même si parfois mes vidéos je trouve qu'ils sont pas terribles, mais ça, on dirait que ça plaît quand même à certaines personnes, car la communauté s'agrandit de plus en plus. J'aurais voulu atteindre les 20 000 cette année, mais on est déjà à 18 000, je me dis que c'est déjà pas mal du tout. C'est vrai que chaque année j'avais un petit objectif comme ça, mais maintenant c'est la troisième année de la chaîne, je n'ai plus vraiment d'objectif à part que si la chaîne s'agrandit, tant mieux, mais surtout juste du kiff et un échange, on va dire, entre fans et surtout entre fans de différentes cultures et de pays, parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui viennent de différents pays et pas que de la France ou de mon pays, la Belgique. Donc je trouve ça super enrichissant. C'est vrai que l'année dernière je vous avais promis de vous répondre à tous les commentaires, d'être vraiment assidu et tout. Bah voilà, il y a eu tellement de choses, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, l'année en cours, même l'année dernière, que voilà, je n'ai pas vraiment eu le temps à peine faire mes vidéos, les monter, les mettre en ligne, me reposer pendant ma grossesse. J'étais fatiguée parce que j'avais des insomnies, etc. J'ai eu des problèmes aussi au niveau de mon corps, donc voilà. J'espère l'année prochaine, je ne vous fais pas une promesse, mais d'essayer de répondre peut-être un petit peu plus. Sachez que si vous m'envoyez des DM sur Instagram, là je suis vraiment beaucoup plus active et je vous réponds pratiquement dans l'heure. Donc voilà, vous êtes prévenus. Je vais arrêter de faire du blabla parce que vous me connaissez, je suis quelqu'un que quand elle commence, c'est une vraie babute, que même parfois je me fais chier moi-même. Bon, j'ai pas su prendre autre chose, mais hier j'ai fait des courses ou avant-hier et j'ai pris mes petits cakes au citron lotus et je me suis dit... L'année dernière, c'était un autre mets que j'aimais bien, c'était des donuts à la fraise. On va passer au citron cette année. On va allumer les bougies et souffler ça ensemble. Parce que je vais pas me brûler surtout. 1, 2... Ah, je me brûle! Ça, je le savais, je suis vraiment pas... Ça, c'est du grand mets tout craché avec ma gueule d'homme. Voilà. On les a allumés. Vous êtes prêts? Ça fait déjà 3 ans. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. Et rien que les 18 000 abonnés que j'ai, je suis juste
mais encore parfois sur le cul parce que j'aurais jamais cru que autant de personnes me suivraient. Bon, je pense que je vais arrêter de parler et vite souffler parce que il commence à avoir de la cire qui coule et j'ai envie de manger mon petit gâteau au citron quand même. 1, 2, 3, joyeux anniversaire! J'aime bien l'odeur quand. Je suis un peu bizarre. Donc voilà, joyeux anniversaire à moi et à vous. Parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe après tout. Voilà, allez, je vous dis encore un grand grand merci de votre fidélité. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, surtout à l'année prochaine pour les 4 ans et de nouvelles aventures à travers de multiples réactions. Mouah!